Personne. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, des flics? Ouais, Léon Kennedy. Et toi? Claire. Claire Redfield. Claire, ça va? Oui, ça va! Et de ton côté? Je peux pas rester ici, c'est trop dangereux! Pars tout seul! On se retrouve au commissariat! Entendu! Claire, j'espère que tu t'en es sortie. Léon, faudrait qu'on arrête de se voir comme ça. Tout va bien? L'hélicoptère, il a surgi de nulle part. Ouais, ça va. Je suppose que t'as pas la clé? Non, je l'ai pas. Mais je suis contente de te revoir. Tu tiens le coup? Bah, on fait aller. Sacrée nuit, hein. Ouais. Et ton frère? J'ai appris qu'en fait, il... Moi qui pensais que ça pouvait pas être pire. Léon, tu ferais mieux de partir.
T'inquiète pas pour moi. Essaie de te mettre à l'abri. Léon, je plaisante pas. La clôture va pas tenir. Vite, va-t'en. On s'en sortira. Tous les deux. C'est pas exactement ce que j'avais imaginé. C'est pas comme ça que j'imaginais mon premier jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Quelque chose me dit que c'est pas un flic. Thank you.
C'était quoi ça? Putain de merde. Je peux pas rester ici. Tiens. Thank you.
Ce truc est incroyable. C'est quoi ça? Non! Il faut que je la batte. Ah!
Quelqu'un m'observe. Merde. Il me faut la carte. Oh, c'est pas vrai. Tu vas me lâcher ! Hey ! Qui êtes-vous ? Attention ! Baisse ça. FBI. Désolé. Merci. Pour votre aide. Je me demande comment t'as survécu. FBI, hein ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Désolé, cette information est confidentielle. Vous allez où ? Un conseil pour ton bien. Ne pose pas de questions et fiche le camp d'ici. Hé ! Mais qu'est-ce que je dois faire ? Y'a quelqu'un ? Ah, ah, j'y crois pas. Un vrai humain. Salut, l'humain. Depuis quand vous êtes là ? Ah, trop longtemps. On est les derniers survivants ? Non. Non, y en a d'autres. Ah, c'est tant mieux, j'imagine. Ouais. Sauf si c'est Irons qui t'envoie. Irons ? Le chef de la police ? Il est encore ici ? On s'en fout. Avec un peu de chance, il s'est déjà fait bouffer. Quoi ? Comment ça ? C'est l'enfoiré qui m'a enfermé ici. Je suis sûr qu'il avait ses raisons. C'est vrai. J'ai été sur le point de balancer ces magouilles. J'aurais fait la même chose, j'imagine.
Je te propose un marché. Libère-moi et je te donne ça. C'est le seul moyen de sortir du parking, crois-moi. Désolé, je peux pas faire ça. Je dois d'abord parler au chef. Écoute, on est tous les deux pris au piège ici. Donc, soit on fait un effort et on s'entraide, soit... Eh merde, il arrive. Quoi? Qu'est-ce qui arrive? Allez, allez, fais pas le con. T'as besoin de ça. Fais-moi sortir de ce putain de trou. Oh mon Dieu. Qui est là? Ce n'est que moi. Alors range ton arme. Je sais même pas ce qui s'est passé. Tout est allé si vite. Je t'avais dit de t'en aller. À moins que tu ne veuilles finir comme Ben. C'était qui? C'était un indique. Il avait quelques informations utiles à mon enquête. Donc ce qu'il disait était vrai? Hé, hey, arrêtez de me laisser en plan comme ça! Je connais même pas votre nom! Moi, c'est Léon Kennedy. Trouve un moyen de sortir, Léon. Tant qu'il est encore temps. Ensuite, on verra. Moi, c'est Ada. Marché conclu, alors. Ah, quelle horreur!
J'espère ne pas avoir à écrire un rapport là-dessus. Thank you.
simple coïncidence. Je croyais que cet entretien portait sur la nouvelle bourse d'études mise en place par Umbrella. Ah, Annette, tout le monde s'en fiche de ça. Les gens veulent en savoir plus sur le virus G. Où avez-vous entendu parler de ça ? Et sur ce putain de gouffre dans la ville qui, d'après la rumeur, mène tout droit vers votre labo souterrain. Alors, est-ce que vous allez m'en dire plus ou est-ce que vous... Cet entretien est terminé. Connasse. Qu'est-ce qu'il cherche ? Ça craint. C'est pas vrai ! Ça commence à bien faire. Déjà deux fois que je te sauve la peau. Alors comme ça, on compte les points ? Écoute, ce n'est pas un jeu. Oh, c'est une blague ! Rien ne meurt ici, tu comprends ? J'imagine que tu as la carte. Ouais. Et ça ? J'espérais que tu m'en dises plus là-dessus. Peut-être. Après l'avoir écouté. Fiche le camp d'ici. Tu as ce que tu voulais ? Malheureusement, non. On dirait que Ben a échoué. Qu'est-ce que tu cherches exactement ? Plus d'infos au sujet des gens à l'origine de tout ça. Plus de route. Je crois qu'on va devoir passer par cette armurerie. Bouge pas. Je veux pas vous faire de mal. J'ai dit, bouge pas! Je veux juste passer. Je vais vous demander de baisser cette arme. Et puis quoi encore? Tu vas te retourner et repartir gentiment d'où tu viens. Je crois que votre fille a besoin d'aide. Ne me dis pas ce dont ma fille a besoin. Posez ça. Non! Arrêtez! Écartez-vous. Il faut la supprimer avant qu'elle ne se transforme. La supprimer. C'est de ma fille qu'il s'agit. Ada. Laisse-les tranquilles. Emma ? Ma puce,
Je t'ai dit de rester au lit. Papa? Oui, c'est papa. Je suis là. D'accord? Ces saloperies dehors. Regardez ce qu'ils nous ont fait. T'es un flic. Tu sais sûrement quelque chose. Alors, comment c'est arrivé? Hein? C'était notre petit ange. Maman fait dodo, ma puce. D'accord? Et je vais bientôt te mettre au lit aussi. D'accord? Emma. Partez. Laissez-nous un peu seuls. Écoute, me cacher la vérité, c'est une chose. Mais pourquoi à lui? Je veux savoir ce qui se passe ici. Et j'arrêterai les coupables. Aider des gens comme eux. Voilà pourquoi je me suis engagé. Ma mission est de mettre un terme aux opérations d'Umbrella. Pas sûr qu'on s'en sorte. Je suis prêt à tout pour sauver cette ville. Compte sur moi. Tu connais Umbrella, n'est-ce pas? Cette société pharmaceutique développe secrètement des armes biologiques. Ils ont un virus. Il transforme les gens en monstres indestructibles. Ça explique toutes les horreurs que j'ai vues. Voilà pourquoi je cherche Annette Birkin. On sait que c'est elle, Umbrella, qui a répandu le virus. Et je compte bien l'arrêter. Passons par là pour retrouver Annette. Si ce que tu as dit est vrai, le lieu est approprié. Tu l'as dit. Après toi. Waouh. Merci. J'arrive pas à croire qu'une scientifique se terre ici. D'après le QG, ça mène droit aux installations secrètes d'Umbrella. À ce que je sache, les égouts sont gérés par la ville. Ils ont des installations sans que les autorités soient au courant. Bienvenue dans l'Amérique des affaires. Umbrella contrôle Raccoon City depuis des années. Waouh ! C'est un tremblement de terre ? J'aimerais tellement que ce soit ça. C'est quoi ça ? Fais attention ! Je ne sais pas à quoi on a affaire. Encore ? Il est encore temps de faire demi-tour, Léon. Sûrement pas. Faudra me supporter jusqu'au bout. Ah. T'es sûr que c'est par là ? Malheureusement. Attends. Merde !
bon, t'es calmé ? Espèce de saloperie ? Léon, par ici ! Eh, c'était quoi, ça ? Tais-toi et monte. Je t'avais pourtant prévenu. T'as dit que ce virus transformait les gens en monstres, pas les reptiles. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis impressionnée que tu t'en sois sorti. Je voudrais comprendre. Umbrella vend ce genre de monstre à qui, exactement ? À notre armée ? À quelqu'un d'autre ? Ils ne vendent pas les monstres. Ils vendent les virus qui les créent. Et c'est Annette qui fabrique les virus. Cet alligator avait beau être terrifiant, Annette est bien plus dangereuse. Hey, qui êtes-vous ? Annette Birkin. C'est elle qu'on cherche ? Pas assez de temps. Il faut s'en débarrasser. Nous sommes là pour le virus G. Et puis quoi encore ? Dernier avertissement. Ah oui ? Hé ! Arrêtez ! Ada ! Je n'aurai jamais le virus G. Je crois que je l'ai sous-estimé. Léon. T'en fais pas pour moi. Vas-y. Surtout, la laisse pas s'échapper. Je suis à l'extérieur de l'installation, sur la trace d'Annette. Si elle ne l'a pas sur elle, alors ça doit être dans le nest. Quand je l'aurai, je ferai une demande d'extraction. Tu peux toujours courir, Annette, mais tu ne m'échapperas pas. C'est l'heure de mon arme secrète. Thank you.
te tiens maintenant. Tu détales toujours aussi vite, Annette. Je dois le reconnaître. Je parle d'un sacré bout de colle. Bravo! Vous allez me brûler, c'est ça? Hors de question, vous touchiez au virus G. Je suis pas la seule à le voir. Vous le savez. Alors d'autres mourront. C'est ce qu'elle fait. Accès visiteur confirmé. Votre bracelet est valide jusqu'au 1er octobre. Veuillez le restituer avant cette date. Ça risque pas. Ça suffit! De jouer au chat et à la souris. La partie est finie. Vous avez perdu. Dites-moi, votre mari est encore vivant? Ou vous l'avez tué pour vous attribuer le mérite du virus G? Théorie intéressante. Si vous ne coopérez pas, j'obtiendrai un échantillon du Nest. Il faudra d'abord me tuer. Ada? Merde. Ada? Où es-tu?
Dégagez-vous, qui disait. C'est quoi ça? Intéressant. Où est-elle passée? Non, j'aime pas ce bruit. J'arrive, Ada.
C'était quoi ça? Oh bon sang, c'est de pire en pire. Merde.
J'y suis presque, Ada. Cette fois, je te tiens. J'espère que c'est fini cette fois. Ada! Ada, où es-tu? Par ici! Ada! Je commençais à m'inquiéter. Je peux pas l'enlever. Je sais pas si je devrais. Fais-le! Je peux pas marcher avec ça. Ok. Ça va faire mal. Bouge pas. Je peux le faire. Et étends-toi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
devrais partir. Pendant que tu le peux encore. Je vais pas t'abandonner. Pas dans cet état. Tu comprends pas. La situation est pire que ce que je pensais. On se débarrasse pas de moi comme ça. Tu m'as sauvé. C'est à mon tour. Alors comme ça, on compte les points. Tiens-toi à moi. N'abuse pas non plus, hein. Ok, je voulais juste t'aider. Fais attention. Tu veux m'aider? Il faut qu'on aille au Nest. Nest? Le labo d'Umbrella. Là, sous nos pieds. Annette en a parlé. Les échantillons du virus s'y trouvent. Tu es partant? Je crois que je peux caser ça dans mon planning. Allez. On a du pain sur la planche. Oui, chef. Le funiculaire nous amènera au Nest. Ce bracelet est notre ticket. Bien. Tu l'as trouvé où? Un emprunt. Mais peu importe, on y est presque. Ça pourrait être un aller simple. Cette navette va au Nest. Veuillez ne pas sortir avant la destination finale. Je pensais à un truc. J'ai hâte que le FBI débarque au QG d'Umbrella et foute tous ces enfoirés derrière les barreaux. Moi aussi, et que ce soit clair. Cette affaire n'est pas de ton ressort. C'est une affaire fédérale. Une fois qu'on aura le virus G, je continuerai seule. Hé, hey, Léon. Tu me fais confiance? Et toi? Franchement, si c'était pas le cas, tu serais déjà mort. Je vois. Je me suis dit que tu pourrais m'aider. Et j'ai eu raison. Si tu obtiens le virus G, je ferai en sorte que ce qui s'est passé à Raccoon City ne se reproduise jamais. Ada, tu l'as dit toi-même. C'est une affaire fédérale, Léon, je suis pas habilité. Regarde-moi. J'ai besoin de toi. Si je veux boucler cette affaire, tu es mon seul espoir. Pas question de te laisser ici. Imagine qu'on t'attaque, que tu aies besoin d'aide. Ça va aller. T'en fais pas pour moi. Je veux aller jusqu'au bout. Et je veux te revoir aussi. Je compte bien vivre, crois-moi. Vous êtes arrivé au Nest. Vas-y. Allez, on n'a pas le temps. T'auras besoin de ça. Ok. Léon. Je compte sur toi. Je sais. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Pour votre sécurité, veuillez attendre l'ouverture complète des portes. Bienvenue au Nest. Agréable visite à tous. Ok. Je me demande où est le virus G. Thank you.
Notre menu basé sur les recherches biologiques répond à tous vos besoins nutritionnels. Goûtez notre sélection d'aliments bons pour la santé. Ça pourrait me servir. Docteur Lee, le chef Cartwright vous demande de toute urgence dans la zone Est.
Pulvérisation de solution en cours. Mode manuel activé. Ajustez le volume de solution en fonction de la cartouche. Bienvenue, docteur. Vous avez 5 nouveaux messages. Oh. Qui a laissé le congélo ouvert ? Refroidissement terminé. Ça a marché. Alerte. Vous avez répondu une solution dangereuse sans autorisation. Vos actions ont été enregistrées et vous pourrez faire l'objet de mesures disciplinaires.
Bordel de merde. J'espère que l'échantillon est là. Bon, c'était facile. Il est temps d'aller retrouver Ada. Retrait non autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Début du confinement autorisé d'un virus de niveau 4 détecté. Début du confinement de la structure. La séquence d'autodestruction sera lancée une fois le confinement terminé. Attention. Encore toi. Non. Il est à moi. Il faut en finir. Je peux savoir ce qui se passe? Pardon, William. Tu m'as pas laissé le choix. Vous l'avez appelé William. Pourquoi? Ça aurait pas dû finir comme ça. C'est de la faute d'Umbrella, tout ça. Vous en faites partie. Vous êtes impliqué là-dedans, non? Oui. Mais jamais on a voulu que ça se produise. Dites-moi tout. Racontez-moi depuis le début. Vous vous en tirerez pas comme ça. Oh mon Dieu, William! Qu'est-ce que t'as fait? Vous avez créé ce monstre. On a créé le virus G, mais à aucun moment on n'a voulu... Ne cherchez pas d'excuses. Vous êtes responsable. Ok,
Je m'en occupe. Infraction de classe A détectée. Laboratoire en quarantaine jusqu'à neutralisation de la cible. Ça a l'air sérieux. Et ça fait un mal de chien. Par rapport à tout à l'heure, je sais pas si je dois vous croire. Promets-moi de détruire l'échantillon du virus G. Non, c'est une preuve. Ça ira au FBI. Tu crois cette garce? Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle n'est pas du FBI. C'est une mercenaire. Elle va le vendre. Le virus G va aller au plus offrant. Ah, c'est des conneries. J'espère me tromper. Mais si le virus G tombe dans de mauvaises mains... Justement, je pensais à toi. On est deux, alors. Je commençais à m'inquiéter. On forme une bonne équipe. Mais j'ai quelque chose à te demander. La voie est libre. Allez, dis-moi que tu l'as. Oh, je l'ai. Laisse-moi vérifier l'échantillon et on fiche le camp. Mais d'abord, j'ai croisé Annette. Elle dit que tu n'es pas du FBI. Léon... Pourquoi tu m'as pas juste donné l'échantillon? J'ai compris que... même si je voulais te faire confiance... je pouvais pas. J'espérais ne pas avoir à en arriver là. Donc c'était ça. J'étais qu'un pion pour toi? Je ne fais que mon travail. Et moi le mien, alors pose cette arme! Tu viens avec moi. Donne-moi l'échantillon, Léon. Je ne veux pas te blesser. Vas-y, tire. Je pense pas que t'en sois capable.
Personne n'aura cet échantillon maintenant. Fais attention à toi, Léon. Non ! Attention, séquence d'autodestruction activée. Utilisez l'ascenseur central pour évacuer immédiatement vers le quai du niveau inférieur. 9 minutes avant détonation. Qui c'est ? Mais tout est sur le point de s'écrouler. Écoute-moi, il faut que tu partes. Vite! Oui, j'ai un moyen de sortir. On va y arriver. Où es-tu, là? Claire, t'es encore là? Léon? Hé, Léon, je t'entends mal. N'attends pas. Fiche le camp d'ici. Merde. C'est pas le moment. Séquence d'autodestruction active. Utilisez l'ascenseur central pour évacuer.
pas que je reste là. Ça sort ce truc. Vous êtes arrivé au niveau inférieur. Minutes avant détonation. Bon sang! J'arrive pas à croire qu'elle me manque. Léon ? On a réussi. Tu vois, je te l'avais dit. C'est qui ? Voici chérie. Salut. Vache ! C'était quoi ? J'en sais rien. Je vais voir. Occupe-toi de chérie.
problème avec la mort ? T'aimes le plan ? Tu vas être servi. Allez ! T'en vas encore ? Alors, est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble ? Non. On est juste... En fait, on s'est rencontrés... la nuit dernière. Ouais. Ça aurait été un sacré premier rendez-vous. Ouais, je te le fais pas dire. Regardez ! Il peut peut-être nous prendre en stop. C'est peut-être pas que Raccoon. Emmène, chérie. Bien. C'était Live Another Day par The Grey. Il était sympa, ce mec. Alors, c'est fini ? Je sais pas. Mais si c'est pas le cas, on s'en chargera. Par tous les moyens. Un peu qu'on s'en chargera. Tant qu'on restera ensemble, tout ira bien. On y va ? Vous pouvez m'adopter. Adopter. On pourrait avoir un chien. Un chien. Et un perroquet. Un perroquet. J'ai toujours voulu avoir des animaux, mais ma mère était maniaque. Ouais. Et maintenant, en ce mercredi bien calme, une chanson à réveiller les morts.